Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Toujours un petit peu délicat, ces voyages intertemporels. Ah oui, juste une petite précision avant de commencer. Maestro, musique. Vous ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Ça, certes, c'est la musique que Disneyland utilise pour la Tour de la Terreur, mais vous avez pas la bonne ref, les gars. C'est surtout la musique d'une très vieille série qui s'appelle La Quatrième Dimension. Bref, vous taperez dans Google, vous irez voir. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Est-ce que vous croyez au monde de l'étrange? Peut-être avez-vous déjà vous-même vécu quelque chose de surnaturel? Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche maintenant en dessous de votre écran. Ne jugez pas, je n'avais pas d'idée pour le nom du mail. Peut-être passerez-vous dans une prochaine vidéo, qui sait? Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraiment flippante. Une histoire on ne peut plus étrange. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait ou pratiquent régulièrement du stop pour se déplacer. Ou bien même avez-vous déjà croisé la route d'un autostoppeur? Après cette histoire, il est certain que vous y réfléchirez à deux fois avant de ramasser quelqu'un sur la route. Bienvenue dans Enquête de Paranormal. Pardon. Nous sommes le 15 août 2018 lorsque Lucien décide de nous raconter son histoire. Il a pour habitude d'emprunter la même route chaque matin pour se rendre au travail. Mais cela fait déjà quelques jours qu'il croise un autostoppeur sur le trajet. À chaque fois qu'il passe, il le fixe avec de grands yeux. Un peu comme ça. Mais en plus, c'est effrayant. Oui, un peu comme ça, quoi. Excusez-moi. On reprend notre sérieux. De plus, Lucien nous dit croire connaître cette personne, mais impossible de savoir d'où il le connaît. Il nous raconte que c'est tout à fait possible que ce soit en rapport avec sa jeunesse, mais impossible de se souvenir comment, puisqu'il a eu un accident quand il était petit à l'âge de 8 ans. Et depuis, il a perdu la mémoire avant cette partie de sa vie. Ok, demain c'est décidé, il l'embarque. Le lendemain matin, comme prévu, l'autostoppeur se tient au même endroit sur la route, mais cette fois-ci, Lucien s'arrête pour le prendre. L'homme lui indique qu'il va jusqu'au centre-ville, et bien parfait, c'est à deux pas du lieu de travail de Lucien. Une fois arrivé sur les lieux, l'homme descend de la voiture en disant à Lucien « Content de te revoir, Lucien. » Étrange, n'est-ce pas? Et ce jour-là, pas de chance, Lucien oublie de lui demander son nom. Ils discutent un peu pendant le trajet, Lucien nous dit que l'homme a l'air très cool et très sympathique. Il lui raconte qu'il fait du stop à peu près tous les jours de la semaine, et ce serait sympa si Lucien pouvait s'arrêter un peu plus souvent pour le prendre. Rien d'anormal jusqu'ici. Le lendemain matin, Lucien se réveille comme une fleur, comme tous les matins. Mais il a fait un rêve étrange. Il nous raconte que dans son rêve, il est sur un vélo dans la rue de son enfance. Un moment, il prend un sentier au bout duquel il y a un arbre. Sur ce même arbre, il y a gravé deux noms. Lucien et Alex. Il trouve ça plutôt très étrange et se demande même si ce n'est pas en rapport avec ce fameux autostoppeur. Il prend donc sa voiture pour se rendre au travail comme tous les matins et comme prévu, l'homme se tenait au même endroit sur la route. Lucien s'arrête, embarque l'homme. Cette fois-ci, il discute un petit peu pendant le trajet et il n'oublie pas de lui demander son nom. Et devinez quoi? Il s'appelle Alex. La conversation se poursuit et Alex dit « Alors Lucien, comment va ta relation avec ta copine ?» Mais à ce moment-là, Lucien ne lui avait même pas encore dit comment il s'appelait. Lorsque Lucien lui a dit qu'il avait rompu avec sa copine, Alex lui a dit qu'il le comprenait très bien et qu'il était là pour lui. Mais comment peut-il le comprendre en seulement deux jours? Lucien a vraiment l'impression de connaître Alex depuis bien plus longtemps que ça et il se demande même si ce n'est pas un ami d'enfance avant qu'il ait eu son accident. Mais le plus flippant, c'est que Alex dit en sortant de la voiture « Ne t'inquiète pas Lucien, on va reprendre là où on s'est arrêté. » Mais qu'avait-il bien pu commencer? Lucien trouve tout ça absolument étrange, d'autant plus que ce soir-là, il fera un rêve où il est une fois de plus dans son ancien quartier. Puis toujours dans son rêve, il se retrouve dans une forêt à creuser un trou. Le lendemain matin, comme d'habitude maintenant depuis quelques jours, Lucien prend Alex en stop. Ils discutent un peu sur le trajet et ce jour-là, Alex n'arrête pas de parler de couleuvres. Il lui dit à quel point il aimait les regarder quand il était plus jeune et s'amuser avec. Puis il a demandé à Lucien s'il se souvenait avoir joué avec des couleuvres lorsqu'il était petit. Cette fois-ci, Lucien voulait des réponses, alors il a esquivé la question en posant une autre. Mais comment connais-tu mon nom, Alex? Alex s'étonne alors et lui répond « Quoi? Tu ne te rappelles pas de moi? Pourtant, on passait de super moments ensemble, tu ne te rappelles même pas de notre jeu ?» Lucien avait l'air de ne rien se rappeler, il avait tout oublié. Mais Alex le rassura en lui disant qu'il allait bientôt s'en rappeler. La voiture arrive ensuite à destination et Alex en sort sans dire un mot. La journée passe, Lucien rentre chez lui le soir et il nous raconte un peu plus en détail son accident. Il dit ne pas se rappeler grand chose, mais tout ce qu'il sait c'est qu'il a demandé plusieurs fois à ses parents comment c'est arrivé
et ils n'ont jamais voulu lui répondre jusqu'à encore aujourd'hui. Il a simplement perdu la mémoire entre ses 6 et 8 ans. Cette nuit-là, Lucien fait à nouveau un rêve. Il se tient dehors, assis sur une chaise, un bocal de couleuvre dans les mains. Puis un jeune arrive vers lui et lui dit « Vas-y, fais le jeu !» Puis plus rien, le rêve s'arrête et il se réveille. Le lendemain, Lucien se lève et va au travail comme d'habitude, mais cette fois-ci, il passe devant Alex sans même prendre la peine de s'arrêter. Il s'est dit qu'il faut qu'il laisse tout ça de côté et reprenne le cours de sa vie normale sans lui. La journée passe, Lucien rentre chez lui le soir en repensant à tout ça. L'heure pour lui d'aller dormir approche et cette nuit-là, il refait un rêve étrange. Dans ce rêve, il voit Alex et il lui dit « N'oublie pas que tu as besoin de moi pour continuer ce jeu. » Je suis ton passager pour toujours maintenant. Ce matin-là, lorsque Lucien lisait le journal, il voyait un article parlant d'un cadavre retrouvé dans un lac entouré de plusieurs couleuvres. On ne sait pas si c'est le hasard, mais ce jour-là, Lucien ne croisa pas Alex sur la route. Le soir venu, Lucien n'arrive pas à trouver le sommeil et il entend comme des petites voix dans sa tête. Et des flashbacks de son enfance refont surface. Dans son flashback, il s'est vu tout petit en train de laver des gants tachés de sang. Puis il s'est vu en train de parler à son miroir et pleurer. Le lendemain matin, Lucien décide d'embarquer Alex et voir s'il peut trouver des réponses à ses questions. Il croise Alex sur la route, l'embarque et cette fois-ci, il lui demande d'un ton déterminé « Comment est-ce qu'il le connaissait ?»« Tu le sais au plus profond de toi », lui répond Alex. Puis en sortant de la voiture, Alex dit à Lucien qu'il a déjà commencé le jeu il y a quelques jours. « Si tu es prêt à recommencer, viens me voir ce soir au coin de la rue », lui dit Alex. Le soir venu, Lucien rejoint donc Alex dans la rue comme prévu. Alex n'arrêtait pas de parler du jeu et il disait qu'il était content qu'il le fasse enfin revenir. Il disait à Lucien qu'il n'allait plus jamais être seul. Lucien ne comprenait pas ce qui lui arrivait ce soir-là, ils ont marché jusqu'à un vieux parc près d'un lac. Le même lac dont parlait l'article dans le journal, là où a été retrouvé le cadavre entouré de couleuvres. Plus tard dans la soirée, Alex emmène Lucien vers une maison. Au moment de rentrer dans cette maison, il y avait une personne à terre. Il ne savait pas si elle était morte ou juste assommée. Lucien est donc parti de cette baraque en courant et est rentré jusqu'à chez lui. Le lendemain, Lucien décide d'aller jusqu'à ses parents pour tenter de trouver des réponses à ses questions. Quand il leur a demandé comment est-ce qu'il avait perdu la mémoire, ses parents lui ont répondu qu'ils ne pouvaient pas lui dire au risque que ça empire les choses. Puis Lucien leur a demandé s'il connaissait un certain Alex. Et là, ses parents sont restés sans voix, comme s'ils étaient choqués. Ses parents décident de lui répondre et Lucien se rend compte que sa vie est finie. Pendant toute sa jeunesse, Lucien a été rejeté par ses autres camarades. À l'âge de 6 ans, il s'est donc créé un ami imaginaire, qui n'est autre que Alex. Ses parents lui ont dit qu'il passait son temps à parler seul, à marcher seul dans les bois. Ils lui ont dit qu'ils avaient déjà retrouvé des couleuvres mortes dans sa chambre et que Lucien leur répondait que c'était à cause d'Alex et de son jeu. C'est aussi à 8 ans que Lucien a tenté de s'enlever la vie à cause d'Alex. Mais Lucien a survécu et avait réussi à chasser Alex de sa tête puisqu'il avait perdu la mémoire. Et vous aurez donc compris que Lucien et Alex sont en fait la même personne et que Lucien est schizophrène. Et c'était donc lui l'auteur du meurtre de la victime retrouvée dans le lac. Moralité de l'histoire, faites très attention aux autostoppeurs que vous croisez sur la route. Maintenant, vous y réfléchirez à deux fois avant de prendre quelqu'un avec vous en voiture. C'est tellement triste, j'ai vraiment adoré cette histoire. Et j'espère que vous aussi, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Bref, si vous avez kiffé la vidéo, les gens, eh bien n'oubliez pas de mettre un petit like dessous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, montrez-moi que vous êtes là, il y aura bien d'autres vidéos dans ce style. Et oui, je voulais vous dire, avant qu'il y ait quelqu'un qui crie au fake, c'est bien sûr évident que c'est du fake. N'empêche, c'est une histoire qui pourrait être tirée de faits réels. C'est comme la dernière fois, l'histoire que je vous ai racontée dans la forêt tirée de la série The Ritual. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit fake dans les commentaires. Les gars, sans déconner, il est évident que si vous êtes perdu en pleine forêt, Twitter est la dernière chose à laquelle vous penseriez. Enfin bref, je vous laisse sur ces bonnes paroles. En attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Elle est vraiment géniale. Je pense que vous allez kiffer si vous avez bien aimé celle-ci. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde. Bye bye. Bonne nuit.